bienvenue au JF Show. C'est un tout nouveau TV show, on m'a dit. Ah ouais, vas-y, let's go. Je sais pas si vous allez me trouver pas. Bienvenue tout le monde au JF Show. C'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir, je suis pas que le numéro. On va avoir du fun. Oh ouais, go. Bienvenue tout le monde au JF Show. Qui sait, je vais peut-être devenir gros. Vous allez voir, je suis pas que le moignon. Et je viens pas des bons jeux de mots. Bienvenue tout le monde au JF Show. Et j'agis même parfois en roseau. Je vais essayer de vous en donner trop. Mesdames et messieurs, bienvenue au JF Show. Hey man, bienvenue au JF Show. Aujourd'hui là, chronique cinéma avec Robert. Robert, on va réaliser, on va être chronique cinéma. Chronique d'une vue que vu récemment ou pas récemment, que ce soit un DVD ou un film au cinéma. C'est un des deux. On va dire parler, là, c'est un Hydro Rush, man. Je suis malade. Ok, man, parle-nous du film. C'est quoi le titre du film? A Million Ways to Die in the West. A Million Ways to Die in the West, version française, là. A Million Façons de Mourir dans l'Ouest. Et c'est à propos de quoi? L'éleveur de moutons. Il est là, qu'est-ce qu'il fait, lui, l'éleveur de moutons? C'est quoi le but du film? Qu'est-ce qu'il fait? Si, ça se passe où? Il rencontre une jeune femme, puis il tombe en amour, puis. Une jeune femme tombe en amour, le cliché, quand même. C'est cliché. C'est quoi, c'est un titre, c'est le genre de film, ça, là? Non, mais comédie située dans un Far West. Comédie dans un Far West, ok? C'est ça. Puis l'histoire, ok, c'est pas avec l'amour, il y a quoi de l'autre? Il y a des actions là-dedans, il y a du monde qui se tire. Il y a un twist et un hors la loi aussi. Un twist! Je capote! Il y a un twist, c'est quoi un twist? C'est dans l'histoire d'amour, là, il y a un twist. Dans l'histoire d'amour, il y a un twist, mais ça, dans l'histoire, les vraies histoires d'amour, il y a toujours un twist. Et ça, le gars, puis, finalement, il aime la fille, à un moment donné, il pense la fille, il l'aime pas, mais vraiment, elle l'aime, fait que là, ben, là, c'est ça, ça finit. Ça finit bien, dans le fond. Ça finit bien, c'est pour une histoire d'amour. Ouais. Ben, c'est des faits, mais ça finit mal pour le hors-la-loi, il se fait tirer. Comment c'est fait-il? Comme ça, le personnage principal devient un héros parce qu'il premier, il sort avec la fille, puis dans le fond, c'est lui qui défait le hors de la loi. C'est cliché. C'est assez cliché, c'est très chauffé. Ouais, c'est surchauffé, c'est au micro-ondes 2-3 fois, c'est pas bon. Ah ouais? Overheat même? Ouais, ok. C'est sec, ça n'a pas de valeur, ça c'est pas de... Ça dure longtemps ce film-là? Ouais, il est assez long, c'est 2 heures de temps. 2 heures de torture, c'est 2 heures de comédie. 2 heures, pour une comédie c'est très long. Puis toi, ouais, c'est long, on voit ça, très long. 2 heures. Tu vois, c'est 1h30, 1h15, mais là, 2 heures. Je pense que même peut-être plus que 2 heures. Tu niaises. Non. Plus que 2 heures comme comédie? Ben... Je suis sous le choc, mesdames et messieurs. Sous le choc, parce que c'est vrai, une comédie, ça dépasse jamais 1h30. Jamais. Ben rare, très rare. Et je sais de quoi je parle. J'en ai vu des films. Donc, plus que 2 heures. C'est assez impressionnant quand même. Ouais. J'avoue que ton attention encore plus. C'est encore pas joué. Ouais. Tu prends comme de la place. Tabarnouche, mais c'est fort. Et t'as ri, toi, là. T'as eu des bons moments. Oui, j'ai eu des bons moments. Il y a plusieurs blagues qui étaient drôles. Vulgaires, mais drôles. Vulgaires dans le sens de. Quand même. Du sacrage. Du sacrage. Beaucoup. C'est très vulgaire. J'ai beaucoup vu de sacrage dans différents films. Ça n'est pas très vulgaire. Là, moi, des exemples plus profonds, approfondis. L'amour de toilette. Du monde qui saoule. Du monde qui se bat, qui se traite de nom. Beaucoup de... C'est juste très vulgaire. Très vulgaire. Pour tous les ceux qui aiment les films, très vulgaire. C'est un film à voir, ça a l'air. Et t'as ri là-dedans, t'as trouvé ça drôle là? Oui, j'ai trouvé ça drôle. Des bons moments, oui. Plus que vraiment, sur les 2 heures, t'as ri là, comme combien de temps environ là-dedans? Ouais, ben, je pense que tout le monde a pas mal trouvé le film comique. C'était un film qui était comique. De A à Z. Oui. Puis le cliché que le gars finit avec la fille pareil. Puis c'est un pétard la fille, c'est une belle blonde, là, j'imagine. C'est sûr, c'est sûr. C'est super bien fait. Alors sur 10, combien tu donnerais ce film-là? 7.5. 7.5. T'avais-tu des bons plans de caméra là-dedans? La bonne action? Des beaux décors, des beaux costumes. Des belles prises de vue de caméra. Ouais. Ça faisait vraiment. Malade, fou, là, comme. Wow, je vais être là, là. Ben. Tu vas être là. Non, mais ça avait de l'air vraiment d'un forest. Les maisons, comme je dis, les décors, les maisons, le paysage, ça avait vraiment de l'air dans un. Il y avait beaucoup de budget d'abord. Oh, oui, beaucoup de budget pris dans le Far West. Puis là, le Far West, lui, culotte, t'as-tu là? Comme tu sais, quand le culotte, il est pas mort, les bandes dessinées. Non, culotte, comment, il était-tu là? Non. Il était où, lui? Il était quoi? Il était en break? Il est un autre film. Il est-tu syndiqué, ce gars-là? C'est ça, les autres films, les culés, t'étais où, man? Far West, A Million Ways to Die, t'es où, les culés, t'es où? God, man. Eh bien, c'était impressionnant. Ah, c'était impressionnant. Ouais. On devrait s'en parler plus souvent de ça. De ce film-là? 7.5 sur 10, hein? 7.5 sur 10. Comédie. C'est ça. Elle ne va manquer ou à manquer, ça dépend de vous, ça dépend de vous. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour une autre chronique cinéma avec Robert. Ok, salut!
L'art de peindre au studio Art Plus est une émission sur le monde fascinant de la peinture. Animée par Bernard Lévesque, il se fait plaisir de peinturer pour vous tout en vous donnant des conseils et des trucs dans une atmosphère décontractée. Il discute composition, texture, tonalité et couleur, tout en partageant ses idées avec vous. Venez apprendre l'art de peindre au studio Art Plus avec Bernard Lévesque à TVC22 ou sur internet à www.tvc22.ca. Pour une émission qui couvre tout ce qui se passe dans la région de Clarence Rockland, que ce soit organisation à but non lucratif ou événement politique, culturel, récréatif ou sportif, ne manquez pas Informez-vous avec Jacques, animé par Jacques Tessier. Jacques s'intéresse à vous et est là pour vous informer de ce qui se passe chez vous à TVC22 ou encore sur Internet au www.tvc22.ca. Salut, mon nom est Giafoul et je suis ici pour m'exprimer. Donc, c'est fait. Non, je veux dire, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'un sujet qui me porte à cœur, que je prends très au sérieux, très à la lettre et je veux vous en faire part. C'est à propos de la musique, évidemment. Tout le monde qui me connaît sait que je suis un gros amateur de musique, de tout genre, vraiment. Et je me suis posé la question, et je peux avoir quand même tort, c'est peut-être déjà fait, ça arrive fréquemment, je sais pas. Je vois pas assez de concerts dans ma vie. Mais quand même, admettons que c'est un groupe de musique, et que ça peut être de la musique rock, country, pop, n'importe quoi, juste un groupe comme tel. Et évidemment, ils vont jouer de la musique et il y en a qui vont faire des solos. Ça peut être un solo de guitare. Ça peut être un solo de drum. Ça peut même être un solo de basse. Solo de piano et solo de violon, solo de... Et il y en a des multitudes de solos. Mais je me suis quand même posé la question. Est-ce qu'on a déjà vu un solo de shaker? Hein? Non? Oui, de moi? Je vous le montre. Ceci est un shaker. Et comme le mot dit bien, shaker, c'est fait pour shaking. Mais imaginez-vous jouer ça live. En concert, là, devant des milliers de personnes. Vous êtes un groupe populaire, là, vraiment fort. Là. Vous êtes à la mode, là, tout le monde vous adore. Vous achetez tous vos CD, vous êtes sur iTunes, c'est éclairant. Et puis vous jouez ça. Le chanteur dit « Ok, son de guitare! » Après ça, vous dites « Son de drum! » Solo de basse, si ça te tente. Ou piano, keyboard, piano en arrière. Et on te dit, hey, solo shaker. Il me semble que ça va, C'est pas un jeu, hein? C'est pas comme un mouvement tactile, tu sais, tu rock. Non, c'est vraiment, peu importe le. Tu peux faire le mouvement que tu veux, il me semble, ça n'a pas de la cour. Ça n'a juste pas de la cour, puis le monde en a pas, on dirait. C'est pas pour faire. Un, 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 un. Mais il me semble que live, en concert, ça marche pas. Le solo, comme tel, si tout le monde arrête de jouer carrément, il y a peut-être juste le drummer qui reste à pédale. Ok, shaker, vas-y!
Il me semble que mon secteur est qu'on se tannait vite, moi, tant que là, que c'est ça, là. Donc, je me suis posé la question, est-ce que quelqu'un peut me répondre là-dessus? Un solo shaker. Est-ce qu'on a déjà eu ça? Un shaker comme ça. Je sais que ça existe, les grosses. J'ai perdu le temps pour ces choses-là, mais tu fais ça, je te rends avec, là. Ça. Yeah! Parce que tout le monde le sait, le guitariste, son mouvement avec sa guitare, tu sais, qui, yeah! Il parle avec sa guitare, il communique avec. T'as le drummer qui, à un certain point, durant son solo, va lancer son bâton. Il va être comme, yeah! Il est content. Avec un bâton à taper, c'est comme ça. Comment c'est ça, hein? Je les enseigne, tu sais, oh, il s'en vient. Là, c'est fort, il a continué, il a suivi le rythme, c'est très fort. Guitariste, drummer, même le keyboard peut se péter un peu. Mais le shaker, ça laisse encore le. Et c'est pas trop comment, quoi, comment gérer ça. Hein? C'est super. Mais c'est pas comment gérer. Donc, c'est un peu. Me dire, quelqu'un peut m'informer là-dessus, est-ce que ça existe un solo checker? Je serais bien heureux. Merci. Ok, hey, aujourd'hui là, je capote. Aujourd'hui, on est accompagné de Robert, c'est Robert, est accompagné de Robert. Robert, il est là. Puis vous pouvez lui donner des cours de natation, comment nager, parce que moi là, je suis pas le meilleur de nageur. Non. Moi, je nage pas très bien. Mais lui là, il sait comment nager. Pourquoi tu vas lui montrer ça? On va faire une démonstration. Une démonstration de comment nager dans l'eau. Ben, bonne chance. Merci. Cool. Je sais pas comment nager, mais Robert, on va l'apprendre. On le check aller, man. Voici, man. Montre-moi ça. Yeah. Prise 2. Hey! Voyons, réveille, là! Super! Voyons, tabouin! Robert! Robert! Voyons! Qu'est-ce qui se passe, là? Voyons, tabarnan! Hey! Robert! Voyons, tabarouette! Hey! Viens ici, t'es quand même! Bon, ben, laissons-le partir! Bon, bien, c'était. C'était apprendre à nager avec Robert! la prochaine! Oui. L'Assemblée du Conseil de Ville de Clarence Rockland, réunion plénière, sont là pour vous informer sur tout item soumis pour approbation, tels le zonage, le développement, les taxes et réglementations. Discussions, enjeux, confrontations, le maire Marcel Guibord et ses conseillers sont là pour vous informer sur des sujets qui vous touchent. L'Assemblée du Conseil de Ville, réunion plénière sur TVC22 ou encore sur Internet au www.tvc22.ca. Le TV Bingo en direct du studio TVC 22 tous les dimanches 19h15 sur TVC 22 ou sur internet au www.tvc22.ca.
Musique Puce avec DJ Pogné dans les années 1980. Allez, salut tout le monde, je m'appelle le DJ qui est pogné des années 1980. Oui, où la nouvelle découverte de la musique, la nouvelle technologie, avec les synthétiseurs, c'était mental, c'était malade. Oh! Hey là, non mais c'était fou, il y avait le chanteur Prince, puis Michael Jackson, qui dominait les ondes avec son album Thriller, Thriller on Night. Puis t'avais Madonna aussi, Like a Virgin, hey! Touch for the very first time. Ouais, puis après ça, il y a Cyndi Lauper avec son succès Girls, they just wanna have fun. Oh, girls, they just wanna have fun. Non mais c'est fou. Donc mon job aujourd'hui, c'est de vous présenter le nouveau videoclip de J.F.Hull, celui qui compose, qui enregistre, qui fait le montage et la danse chorégraphie toute lui-même. C'est fou, c'est mental, c'est une future star, je vous dis. Donc il me fait plaisir de vous présenter son nouveau clip qui s'intitule Take the Pressure Off. Enjoy tout le monde, années 80. They told me about this reality. You need a great job to make money. You need to wear something shiny. Change your wardrobe, gotta look classy. You have to look like you're comfortable in your body. Change the way you stand, don't look so sloppy. But to switch dreams to reality isn't always easy. And unless you want to be judged by society, you have to wake up to this world so silly. It's just a matter of perception, to each his own. Why don't you just stop judging and leave me alone? Take the pressure off. Take the pressure off. Take the pressure off. Take the pressure off. Smile even when I'm happy. Be positive, stay away from negativity. Don't eat that if you wanna stay healthy. Invest your money, gotta look wealthy. Don't say this, don't do that. Or you'll look very sappy. Put some makeup on, don't look so ugly. The right gestures, the right moves, or you'll look a little fruity. Be in shape, exercise, or you'll be called a fatty. But to switch dreams to reality isn't always easy. And unless you wanna be judged by society, you have to wake up to this world so silly. It's just a matter of perception, to each his own. Why don't you just stop judging and leave me alone? Take a picture off. Take the pressure off. Take the pressure off. Take the pressure off. Pressure off. Pressure off. Go. Perception, to each his own. Why don't you just stop judging and leave me alone? Take the pressure off. Take the pressure off.
take the pressure off. Take the pressure off. Go. 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 Take the pressure off. Duck Dynasty, l'émission à succès de TV-réalité. JF Productions est fier de vous présenter une autre émission à succès qui a absolument aucun rapport, quoi qu'il en soit, avec Duck Dynasty. C'est juste que le titre que j'ai trouvé rime avec, pis je le trouve drôle, bon, j'y ai pensé, c'est tout, lâchez-moi! Basé sur des faits vécus quotidiens et des objets qui nous font avoir des chaleurs et qui enragent les gens à longueur de journée, je suis fier de vous présenter avec frustration. Je t'en est. Ah bien tiens donc, je pense que mes toasts sont prêts. Ça tombe bien, j'ai super faim. On va te beurrer ça, ces belles petits toasts-là, on va te dire une affaire à moi. Ah bien. Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait 5 minutes que tu toasts. 5 minutes que tu toasts, pis tu toasts même pas. Soit tu toasts pas assez, ou tu toasts trop. C'est quoi ton tabarnouche de problème, mon petit toaster? Je peux pas connecter avec toi, ça sert à rien. T'as deux switches, pis y'a pas de maudit qui marche, pis des maudits pitons que je comprends juste pas. Mon petit cochonou, y'a 4 pieds en plus, c'est sale, c'est sale, c'est ça que c'est qu'il a, c'est juste, c'est-tu, moi? Non, mais, tu vas te rapporter ça au magasin, mais je peux pas te rapporter, non! Parce que plus ça garantie, mais tu vas te finir par ton steak, tabarouette, tu vas te finir par ton steak. Cochonnerie, maudit cochonnerie, oh, tabarouette de gale, ah! Je t'en est. Tiens donc, je vais aller regarder un peu de télévision. Il y a justement un bon film qui joue ce soir et j'ai justement besoin de relaxer. Alright, on va partir ça, cette petite télé-là. Wow, plusieurs télécommandes, hein, en tout cas. Power. TV Power. TV Power. Non? Ok, c'est pas là. TV Power. TV Power. Non. Ok, non plus. Elle, TV Power. TV Power! Non, pas plus. Coudon, il en reste deux, c'est comme rien, là. T'en lâche. Power. Power. Non, ok. Ben, coudon, c'est pas la job, là. Il m'en reste une, c'est comme rien. Allez, ma baguette magique, vas-y. Power. Ben, là, ma tabarnane de maudit TV qui marche pas, c'est quoi la joke, là? Il y a 5 remotes. 5 remotes pour marcher sur TV-là, puis il n'y en a pas une qui marche, c'est quoi la joke, là? C'est-tu Inni Mini Mini Mo, ça, là? Inni Mini Mini Mo? Oh, vas-y, celle-là. Vas-y, celle-là. Oh, vas-y, celle-là. Power! Come on, man! Marche! Voyons, là, c'est quoi la maudite job? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre maudite fonction? Ça, c'est quoi votre fonction? C'est quoi votre fonction, hein? De partir mon toaster? Partir dans la meuse? C'est quoi la job? Pourquoi ça marche pas? Là, nous autres, il marche sur une TV, 5 remotes! Une TV, 5 remotes! Technologie! Y'en a une là-dedans qui marche! TV Power! TV Power! Non! Mais coudonc, fait quoi que ces remotes-là? Moi, je veux du drame! Je capote, là, ça marche pas. C'est quoi l'affaire? Power, tabarnane, power, marche. Ben là, je comprends rien. Allez. C'est quoi l'idée, là? Quoi l'idée, là? 5 remotes, une TV, pis il n'y a pas une qui l'allume. C'est quoi la joke? J'ai acheté ça, c'est super nouveau, pis ça marche pas. Oh! C'est pas le fun, là? Qu'est-ce que je fais, moi, là? Qu'est-ce que je fais? Mon tout vous sacre. Attends, hein? That's it! Pas de casse-tête! J't'en est! C'était quoi ça là? J't'en est! Non mais sérieux! Tu as des problèmes ce gars-là? Non mais franchement! Alors sur ça, c'est la fin du premier épisode du GF Show. Alors j'espère qu'on vous a diverti, qu'on vous a informé, qu'on vous a amusé. Au moins, on a fait ça de bon quand même! On espère qu'on l'a fait. Donc sur ça, on se laisse pour ce mois-ci, jusqu'au mois prochain. Donc je vous laisse avec un dernier segment de l'émission, qui est une compétition féroce et très virile pour montrer leur dominance masculine.
du tir au poignet fatal, mettant en vedette Pascal Sommeul et Robert Wolff. On se laisse là-dessus. Je trouve que c'est important de montrer cette violence et cette férocité entre ces deux membres qui veulent démontrer leur compétition, qui sont quand même mouches meilleures que toi. Non, mouches meilleures que toi. Je sais que t'es meilleur que moi, mais vous pouvez le contraire. Donc je vous laisse là-dessus. Et c'est pas facile à regarder, il y a vraiment des moments intenses. Ça dérange, là, comme sérieux, ça dérange beaucoup. Alors sur ce, ben c'est ça, passez un beau mois et on se retrouve le mois prochain. Puis, ben, en tout cas, on l'espère. À moins de vous appeler et vous dire, pas ça à l'antenne, je veux plus loin, je suis plus capable. Peut-être pas ça, parce que moi, le faire quand même. C'est évident que moi, t'es là pareil. Le mois prochain, ça sonne comme une menace, ça l'est peut-être, mais ça l'est pas. Mais je pense pas que ça l'est. Alors sur ce, ben, c'est ça. À la prochaine! Pascal Sommeul contre Robert Wolff dans Tir au poignet fatal. On insiste à tir au poignet. C'est ça, t'es bien mieux que la lumière là. Ben là, Jeff, ça. Ils vont planter Kedji les guns, man! C'est pas trop bon, la vitesse. Pas trop bon. Ok. Tu prends? Toi qui dis go. Ouais, Jeff, dis go, toi. Ah, ben, pas tout de suite, mais on enlève pas. Mais go! Juste. Go! L'intensité est là, mon Dieu, les deux sont tout côtés, pis les pecs, ils sortent de là, t'as les muscles, les veines, tout. La sweat, ma main, la sueur. J'ose ça pis ça sueur. Oh, tabarnouche! Ben là, comment qu'on va faire avant de pas te taper? C'est pas sur ton bras, je peux dire? Ah ouais, c'est ça. Tu m'as eu! Donc, comment tu te sens par rapport à ça? Ah, ça sent que perdre! Ok, 3, 2, 1, go! Vois-tu, il t'a pas fait le shoulder roll, il a son épaule par-dessus mon bras. Ouais. Faudrait que je fasse un temps. Ouais. Il faut comme moi. Mais ça, c'est tout. Oh.